Pour comprendre le présent, il faut souvent jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Et c'est aussi vrai quand on parle de bande dessinée. Salut à vous pauvres mortels, je suis Chris, ensemble on parle comics et culture populaire, et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va faire une petite balade dans le passé pour revenir aux origines de nos univers préférés. Avant de commencer, je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, de Spotify à iTunes en passant par Deezer, YouTube Music ou Podcast Addict. N'hésitez pas à lâcher des likes, des étoiles et à partager l'émission autour de vous pour soutenir mon travail. Si vous en avez les moyens, vous pouvez aussi souscrire à un abonnement mensuel ou annuel sur Substack pour m'aider à bosser dans de meilleures conditions. Et si vous voulez lire les bouquins recommandés dans cet épisode, vous trouverez dans la description tous les liens utiles pour vous les procurer en deux clics chez nos amis de Comic Zone. Maintenant que la réclame est faite, passons aux choses sérieuses. Au cas où vous en douteriez, vos BD préférés ne sont pas apparus ex nihilo du jour au lendemain. Au contraire, les univers fictionnels que nous chérissons tant aujourd'hui sont le fruit d'une méthodique évolution, de subtils jeux d'influence et de divers apports collectifs et individuels qui ont participé à étoffer leur richesse au fil du temps. Si les êtres humains ont toujours aimé inventer des histoires de toutes sortes, on peut situer la naissance du fantastique et de la science-fiction tels que nous concevons ces genres au 19e siècle. Notamment à travers le travail d'auteurs et d'autrices comme Jules Verne, H.G. Wells, Mary Shelley, Bram Stoker ou encore Edgar Allan Poe, pour ne citer que les plus connus. Avec la généralisation de l'apprentissage de la lecture, la littérature est devenue une activité populaire, et les romans feuilletons publiés par les grands journaux de l'époque n'ont rien à envier aux séries Netflix d'aujourd'hui. À partir du XXe siècle, des auteurs français comme Maurice Renard ou Jean Delahire vont participer au développement et à la démocratisation de cette littérature, et même créer différents personnages que l'on pourrait considérer comme les premiers proto-super-héros, même si le classement des genres était encore très flou. Au départ, on parle par exemple de scientific romance ou encore de merveilleux scientifique, des termes généralistes qui regroupent autant de courants qui seront plus tard catégorisés de façon plus spécifique et possédant eux-mêmes de nombreux sous-genres tels que la science-fiction, la fantasy, le fantastique, l'horreur ou encore l'anticipation. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, des petits périodiques bon marché, appelés pulps en référence à la pulpe de papier de piètre qualité sur laquelle ils sont imprimés, vont connaître une forte expansion, principalement dans les années 1920 et 1930, et permettre à de jeunes auteurs et autrices de faire leurs armes en publiant leurs premiers récits. Isaac Asimov, Edgar Rice Burroughs, Clark Ashton Smith, Lyte Brackett, Philip K. Dick, Arthur C. Clarke, Ray Bradbury, C.L. Moore ou encore Frank Herbert comptent parmi celles et ceux qui vont alimenter ce marché, dominé par des publications comme Argosy, Weird Tales ou Amazing Stories, autant de magazines qui vont connaître un succès retentissant tant pour leur faible prix de vente que pour leur sommaire qui mêle aventure et frissons. Attention, malgré leur large diffusion et leur popularité, les pulps n'assurent que de maigres revenus à leurs auteurs, souvent exploités par des éditeurs peu scrupuleux qui tardent à les payer. À partir de la seconde moitié du XXe siècle, concurrencée par les comics, la radio et la télévision, la littérature pulp disparaît peu à peu, les quelques périodiques subsistant aujourd'hui visant avant tout un public d'initiés, bien loin des masses populaires des débuts. Mais si le format périclite, ses héros, ses héroïnes et surtout les univers qui ont fait ses beaux jours ne vont pas disparaître, loin de là. The Shadow, Tarzan, Zorro ou encore John Carter, autant de personnages apparus dans les pulps dont le parcours va continuer sur d'autres supports, des comic books aux écrans des salles de cinéma, et ce, sans discontinuer jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, je vous ai fait un résumé en accéléré, car il y aurait énormément à dire sur les auteurs et les illustrateurs qui ont contribué au contenu de ces magazines, qui ont inspiré et même éduqué toute une génération d'artistes et de scénaristes, qui participera à son tour au développement de la bande dessinée américaine durant le Golden Age et le Silver Age, certains éditeurs comme EC Comics revendiquant parfois ouvertement adapter les écrits d'Edgar Allan Poe ou Ray Bradbury. L'impact de la littérature pulp est encore perceptible dans tout ce qui constitue la culture populaire que nous partageons. Et le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est que toutes les lectures que je vais vous recommander dans cet épisode sont des comics tirés ou librement adaptés de pulps qui datent d'il y a près d'un siècle. Il est pratiquement impossible de parler de fantastique et d'horreur sans évoquer Howard Phillips Lovecraft, écrivain américain dont les travaux ont influencé d'une façon ou d'une autre pratiquement toutes les fictions modernes. Ça peut vous paraître exagéré dit comme ça, mais Lovecraft est partout.
De Stranger Things à Berserk de Kentaro Miura, en passant par tout ce qui se trouve entre les deux, comme Donjons et Dragons ou les films de Guillermo del Toro ou John Carpenter, et bien évidemment dans les comics de Mike Mignola ou d'Alan Moore. Celui qui s'identifiait comme l'incarnation de sa ville, Providence, est l'un des plus fameux architectes de la pop culture, parfois pour le meilleur et parfois pour le pire. Mais H.P. Lovecraft, c'est aussi un novelliste canonisé par des amateurs pointilleux, si bien que chaque nouvelle adaptation subit les foudres d'une armée de fans qui estiment qu'il est impossible de donner corps au récit du maître. Et on ne va pas se mentir, adapter l'univers de Lovecraft, que ce soit sur le papier ou à l'écran, c'est un exercice périlleux. Premièrement, parce que bon nombre des horreurs et autres créatures dont il parle ont la particularité d'être si hideuses qu'elles ne peuvent être décrites avec les mots de notre vocabulaire. Et aussi parce que Lovecraft, au-delà d'un bestiaire terrorisant et d'une ambiance unique, c'est avant tout un état d'esprit, intimement lié à l'époque et aux convictions de l'écrivain, mais je vais y revenir tout à l'heure. Lovecraft et la bande dessinée, c'est une longue histoire, entre inspiration flagrante, relecture plus ou moins fidèle, et même récit dont Lovecraft devient le personnage principal. Si les mangas de Gotanabe publiés en français chez Kiun comptent parmi les adaptations les plus célèbres et impactantes de l'œuvre de Lovecraft, le format comic book n'est pas en reste, avec un nombre incalculable de tentatives plus ou moins fructueuses. Le principal souci venant du fait que chaque lecteur se fait sa propre idée des mondes inquiétants et obscurs décrits par Lovecraft dans ses histoires, et que restituer cela en images dans une BD est un véritable défi. Cadas l'inconnu de Florentino Flores, Guillermo Sana et Jacques Salomon, paru chez Ablaze aux USA et chez Black River en France, a particulièrement attiré mon attention, dans le sens où cette version séquentielle de la quête onirique de Cadas l'inconnu remplit parfaitement son rôle d'adaptation, tout en étant une excellente porte d'entrée au monde de Lovecraft. On y suit Randolph Carter, un voyageur rêveur cherchant désespérément à atteindre la mythique cité de Cadas, dans un périple délirant peuplé de créatures extraordinaires et où se succèdent les dangers mortels. Aidé par les chats d'Ultar et par des ghouls à la loyauté douteuse, Carter persévère dans sa quête, quitte à s'égarer définitivement. À la fois intrigant et accessible, Cadas l'inconnu est aussi super agréable dans sa partie graphique, et j'ai passé un très bon moment en compagnie de Randolph Carter et de ses amis les chats. Donc que vous soyez ou non adepte de Lovecraft, ce comic book se révèle être une excellente lecture pour découvrir ses écrits ou prolonger votre expérience de lecteur. S'il est impossible de citer l'influence des pulps dans les comics sans citer Howard Phillips Lovecraft, il en va de même pour l'un de ses contemporains et correspondants réguliers, Robert Irvin Howard. Né en 1906, Robert E. Howard compte parmi les pères fondateurs de la fantasy moderne, créateur de Solomon Kane, Kull, mais aussi et surtout de Conan le Barbare, qui deviendra son personnage le plus populaire, star de plusieurs films et héros de comics depuis plus de 50 ans. En 1936, quand il apprend que sa mère atteinte de tuberculose, dont il prend soin depuis de nombreuses années, ne sortira plus du coma, Howard, déjà dans un état dépressif sévère, se suicide d'une balle dans la tempe. Mort à seulement 30 ans, il laisse derrière lui un univers incroyablement riche et documenté, fruit d'un travail minutieux et acharné. S'il a défini le genre que l'on nomme aujourd'hui Sword and Sorcery, il a également été l'auteur de nombreuses histoires de western, d'horreur et de sport, plus particulièrement sur le thème de la boxe, et a laissé derrière lui une riche correspondance avec H.P. Lovecraft. Et bien que Howard et Lovecraft ne se soient jamais rencontrés, on peut parfois ressentir l'influence de l'un dans le travail de l'autre. Les deux auteurs possèdent pourtant des visions assez différentes du monde qui les entoure. Les écrits de Lovecraft sont le reflet des craintes et des fascinations, souvent complémentaires, de son temps. Il traduit sa peur de l'inconnu et son profond mal-être dans une société dont les évolutions le dépassent et le répugnent. Chez Lovecraft, la menace est extérieure, étrangère, tandis que Howard, lui, dépeint plutôt des civilisations qui, autrefois luxuriantes, sont sur le déclin. Dans ses récits, le monde s'effondre de l'intérieur. Et si cela renvoie, comme chez Lovecraft, à une peur du changement, on peut y voir de façon plus pragmatique les inquiétudes d'un Américain moyen des années 1930 dans un pays qui fait face à une crise économique sans précédent, tandis que l'ombre de la guerre se fait plus menaçante que jamais en Europe. Chez Lovecraft, l'ultime menace, c'est la vérité qui rend fou quand on lui fait face, alors que Howard voit surtout le danger dans l'autre, car pour lui, la vie en société est un péril pratiquement contre nature. Dans ses récits, aider son prochain peut vous permettre de trouver un allié qui vous épaulera pour survivre dans un monde hostile ou vous conduire à votre perte. De ce point de vue, les histoires de Robert E. Howard gardent une valeur intemporelle qui leur permet d'être encore très pertinentes aujourd'hui. Ces héros solitaires, évoluant dans des cités décadentes gangrénées par le crime et les croyances occultes, sont inévitablement amenés à user de la violence pour survivre dans un monde de plus en plus cruel.
D'ailleurs, il faut se rappeler que le but de Conan n'est pas foncièrement de servir de modèle. Il n'est pas un pro-chevalier irréprochable, mais plutôt un observateur extérieur critiquant les sociétés qu'il traverse au cours de ses aventures en terre étrangère, dans lesquelles il symbolise la victoire des pulsions primaires sur des systèmes qui se veulent civilisés, mais qui sont en fait corrompus. Arrivé chez Marvel dès 1970, Conan le Barbare y a vécu de nombreuses aventures sur le papier, notamment grâce à l'implication du scénariste Roy Thomas. Avec Conan the Barbarian et The Savage Sword of Conan, le Cimmérien s'installe durablement dans les rayons des comic shops et incarne surtout une véritable évolution de la bande dessinée américaine grâce au ton plus adulte des publications qu'il met en scène. Après un passage chez Dark Horse entre 2003 et 2018, puis un retour éclair chez Marvel, les droits du personnage atterrissent chez Titan Comics en 2023. Dans cette toute nouvelle série signée par le scénariste Jim Zub, qui s'est notamment illustré sur les comic books dérivés de la licence Donjons & Dragons, la volonté semble de revenir aux bases pulp du héros créé par Robert E. Howard, une saga de Sword & Sorcery dans un monde sauvage impitoyable où le danger guette en permanence. C'est le dessinateur Rob de la Torre qui se charge d'illustrer ses nouvelles aventures du barbare, et il se place ouvertement dans la continuité de l'œuvre du légendaire John Buscema, dont le trait est indissociable du Cimmérien. C'est beau, dynamique, et ça cultive un côté vintage qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais qui conquiert instantanément tout fan des comics publiés par Marvel à l'époque. Le résultat, ce sont des heureuses retrouvailles pour les lecteurs les plus aguerris, et une excellente façon de découvrir Conan pour celles et ceux qui hésiteraient encore. Pour ma part, j'ai trouvé ce premier tome aussi prometteur que fidèle à l'esprit des histoires de Howard, et je vous invite à le lire en version française chez Panini Comics, car c'est 100% accessible aux néophytes. Quitte à évoquer les comics Conan le Barbare écrits par Roy Thomas, je ne peux que conseiller aux plus complétistes de se tourner vers le premier tome des Secrets de l'Acier chez Neophelis Éditions. À travers de nombreuses anecdotes, Roy Thomas y raconte son travail sur les aventures du Cimmérien chez Marvel entre 1970 et 1975, des secrets de conception aux difficultés à adapter les écrits de Howard en bande dessinée. C'est à la fois une passionnante chronique autobiographique d'un auteur incontournable et un indispensable compagnon de lecture si vous voulez approfondir les détails de la création des différents épisodes de Conan. Toujours chez Neophelis, et pour rester dans la thématique Pulps, vous pouvez découvrir dans un très beau volume les 4 premiers épisodes de la série Doc Savage, écrite par Doug Munch pour Curtis, la filiale magazine de Marvel, à partir de 1975. Avec l'intervention d'artistes comme John Buscema, Tony DeZuniga et Marie Séverin, ces bandes dessinées condensent l'action et la castagne qui font tout le sel des tribulations du personnage créé en 1933 par Lester Dent et qui a connu une carrière particulièrement riche dans la littérature pulp, mais aussi dans les comics, et ce dès les années 1940. Si cette lecture s'adresse à un public aussi curieux que pointilleux, c'est un petit bout d'histoire qui synthétise parfaitement comment cette culture populaire a été recyclée et réinterprétée de nombreuses fois au cours du XXe siècle par plusieurs générations d'auteurs et d'illustrateurs. Parmi les auteurs qui ont fait briller ce courant culturel, il y a évidemment Edgar Rice Burroughs, père de Tarzan et de John Carter, deux personnages qui ont influencé de nombreux courants créatifs du monde du divertissement. Si John Carter of Mars est l'un des pionniers du genre Isekai, qui fait aujourd'hui les belles heures du manga, Tarzan a incontestablement été l'un des héros de fiction les plus copiés et même plagiés de tous les temps, particulièrement dans le 9e art. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous raconter les origines du Seigneur de la Jungle, apparu pour la première fois en 1912 dans The All Story Magazine, tout le monde les connaît. Et si, une fois encore, Tarzan a rapidement eu droit à diverses adaptations en bande dessinée, notamment dans des strips quotidiens signés Harold Foster, Burn Hogarth, Ruby Moore, Jill Kane ou Russ Manning, je vous recommande tout particulièrement de vous pencher sur la série publiée par DC Comics à partir de 1972, qui fait suite à celle parue chez Dell Comics et chez Gold Key. L'intégralité des épisodes de cette série dessinée par Joe Kubert est disponible en 2 volumes aux éditions Delirium, et elle témoigne de la puissance évocatrice des écrits de Burroughs et de l'influence des pulps sur les artistes phares de l'histoire des comic books, tels que Kubert. Et puis, pour boucler la boucle en beauté, puisque je vous parlais de Robert E. Howard tout à l'heure, Delirium propose aussi dans son catalogue une grande partie du travail de Richard Corben, narrateur visuel de génie qui s'est souvent inspiré du travail de Howard, soit directement, comme avec Bloodstar dont j'ai déjà parlé dans un épisode, soit de façon plus diffuse, comme dans Den. Dans les deux cas, on est face à des mastodontes du 9e art, Kubert et Corben, qui mettent en image des univers qui les ont inspirés en tant qu'artistes et qui vont savamment mêler ces influences à des thématiques qui leur sont contemporaines ou personnelles pour enrichir leurs propositions.
Si les ouvrages de Neophelis ou Delirium concernent surtout des comics produits durant les années 70, une période où la fiction pulp revient sur le devant de la scène dans la pop culture états-unienne, eh bien, comme c'est le cas pour Conan, d'autres personnages sont régulièrement revisités par des créateurs et remis au goût du jour. L'un des derniers exemples en date, c'est la série Zorro lancée par le dessinateur star Sean Gordon Murphy chez Massive Publishing et éditée par Urban Comics chez nous. Là encore, on a affaire à un héros plus que centenaire, créé par Johnston McCulley en 1919 et qui a eu droit à une flopée d'adaptations sur de nombreux supports, d'un film avec Douglas Fairbanks dès l'année suivant sa création, à la série télévisée de Disney en passant par les comics de Dell. Zorro est l'un des premiers proto-super-héros, justicier costumé cultivant une identité secrète et affublé de symboles et de gimmicks reconnaissables. Mais avec sa mini-série Zorro Man of the Dead, traduit par D'entre les morts pour sa version française chez Urban Comics, Sean Gordon Murphy, déjà derrière Punk Rock Jesus et Batman White Knight, conserve son habitude de prendre le lecteur à contre-pied, en transposant le combat pour la justice sociale et contre un pouvoir oppresseur dont Zorro est le symbole à notre époque. Les cartels se substituent à l'Empire espagnol, et, encore une fois, quelqu'un doit enfiler le costume de Zorro pour libérer le peuple de la tyrannie. Une approche osée et novatrice qui trouve un écho tout particulier en Europe, où le personnage est encore très présent dans la culture populaire, y compris chez des gens qui ne sont pas particulièrement lecteurs de bande dessinée. S'il fallait une démonstration que les protagonistes des pulps ont un message à transmettre, bien au-delà de la période à laquelle peuvent s'ancrer leurs aventures, je crois qu'elle est faite. A noter que Urban croit beaucoup au travail de Sean Murphy, puisque l'éditeur propose pas moins de 3 versions différentes de l'album, prévues pour juin 2024 chez nous. Et puis, pour terminer, au-delà des adaptations plus ou moins littérales, la culture pulp et ses recettes ont inspiré un sacré paquet de créations originales au fil des années. Si les super-héros et les super-héroïnes sont déjà une évolution des vigilants costumés tels que Zorro ou le Shadow, de nombreuses thématiques créées ou développées dans les récits de science-fiction de la littérature populaire de la première moitié du XXe siècle sont venues nourrir la bande dessinée américaine, et ce jusqu'à nos jours. L'un des meilleurs exemples que l'on puisse trouver, c'est Supergirl Woman of Tomorrow du scénariste Tom King et de la dessinatrice Bilky Sevely. Un excellent récit pulp qui mêle science-fiction rétro et aventure épique, le tout raconté avec un angle très intimiste. Perdue dans un monde qui n'est pas le sien, Kara Zor-El vient en aide à une jeune fille dont le père a été tué par un pirate de l'espace. S'en suivra une série de péripéties haute en couleurs à travers le cosmos, guidée par la soif de vengeance et de justice du duo d'héroïnes. Absolument éblouissant graphiquement, Supergirl Woman of Tomorrow flirte notamment avec le voyage spatial de John Carter et l'esprit de vengeance des écrits de Howard, donnant ainsi naissance à ce qui compte incontestablement comme l'une des meilleures histoires de Supergirl. Ce récit complet est à retrouver en français chez Urban Comics et pourrait potentiellement compter parmi les références de James Gunn pour le prochain film mettant en vedette la cousine de l'homme d'acier, autant de raisons de ne surtout pas passer à côté. Alors, pour conclure, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que cette omniprésence de la littérature pulp dans les divertissements d'aujourd'hui n'est pas l'incarnation d'un immobilisme créatif ? Zorro, Tarzan, Conan ou l'univers de Lovecraft ont été exploités à tort et à travers, pour ne pas dire essorés dans certains cas, et ce, depuis 100 ans ou presque. Et on peut se demander s'il reste encore quelque chose de vraiment neuf à en tirer. Mais dites-vous que je n'ai fait qu'effleurer le sujet dans cet épisode. Tant l'héritage des nouvelles et des romans fantastiques ou de science-fiction de l'âge d'or des pulps qui ont façonné notre imaginaire va bien au-delà des simples clins d'œil disséminés ici et là. Plus que d'offrir des adaptations ou des relectures, ces œuvres s'entremêlent parfois pour devenir une gigantesque fresque multiverselle, fondement d'une mythologie moderne à laquelle certains et certaines vouent un culte auquel de véritables religions n'ont rien à envier. Quoi qu'il en soit, il est amusant de voir que cette paralittérature, souvent méprisée en comparaison d'une littérature classique considérée comme plus noble, est aujourd'hui totalement intégrée à la culture populaire, ce qui est d'après moi un magnifique pied de nez à celles et ceux qui ont, de tout temps, cherché à la rabaisser. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les réseaux sociaux, tous les liens utiles sont dans la description de l'épisode. Abonnez-vous sur les plateformes de podcast et partagez l'émission autour de vous. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Substack. Et évidemment, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures.